La mi-temps était sifflée sur le score de 2-1 en faveur des Bleus. Peu après la reprise, c'est encore Dagano qui faisait mal aux Bayonnais en égalisant. Loin de son meilleur football, Guingamp montrait néanmoins une bonne technique, mais ne maîtrisait pas vraiment les débats. Bernalo, encore lui, donnait l'avantage à Bayonne à la 67e. Neuf minutes après le troisième but bayonnais, Dagano, encore lui, égalisait pour Guingamp. Le club breton ne voulait pas des prolongations, mais l'aviron tenait bon et les 22 joueurs devaient repartir pour 30 minutes de jeu dans les prolongations. Istiol rentrait à la 107e minute peu avant que Gousset ne donne l'avantage aux Bretons. Bayonne partait alors à l'abordage dans une débauche d'énergie héroïque et parvenait à égaliser par Istiol à la 120e et dernière minute du match. Des pénaltys, il faut retenir qu'aucun Bayonnais n'a failli, y compris le gardien Teddy Erard qui stoppait le tir de Sikimic, le quatrième des Guingampais.
attendant le tirage au sort qui aura lieu mardi, les Bayonnais pouvaient fêter avec leur public une victoire qu'ils sont allés chercher avec leur triple.